Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce La Story d'un Drawer de 2019 sur la suite de la fresque dont je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve pour la fin pour les quelques descriptions. Voici, nous voilà arrivés à la fin de ce La Story d'un Drawer de 2019 sur la suite de cette fresque avec un nouveau personnage et ce nouveau personnage s'appelle Bzinidar. C'était son premier nom, hein, comme je vous le dis à chaque personnage à peu près. Chaque fois, j'ai changé leur nom un peu plus tard quand je les ai passés sur un autre univers que j'avais créé où je voulais mettre un peu plus, on va dire de faune et de flore. Et donc là, comme vous pouvez le constater, bah, c'est un papillon un peu de nuit. J'ai un peu changé sa forme d'aile parce que dans son, comment dire, dans sa, la première version, malheureusement, il faudrait peut-être, je ferai peut-être pas, bon, peut-être pas pour ce, comment dire, pour ce La Story d'un Drawer de 2019, peut-être pour les prochains, si prochain il y a, on ne sait pas, tout dépendra de comment ça va se passer, comment vous appréciez les choses, bien sûr. Je mettrai peut-être les images du premier dessin, je prendrai une petite photo de ce petit personnage et je vous le mettrai en vue chaque fois à la fin pour vous montrer la différence entre le premier et le premier fois dessiné et là le refait, hein, parce que là on va dire c'est pas un remaster mais je le refais à la façon que je sais dessiner maintenant par rapport à comment je dessinais avant, parce que je rappelle que c'est des personnages que je dessinais bien avant. Et donc voilà, donc là j'ai dû donc refaire ses ailes qui étaient plus rondes dans la première version, que là elles font plus, on va dire, papillon. Et des petites explications, donc pourquoi il a une petite un genre de petit dard sur le haut alors qu'il en a un qui est en dessous, qui est donc le dard qu'il a sur son abdomen et plus un dard pour eh bien, se nourrir, hein, pour aller polliniser les fleurs, hein, comme on connaît dans la vraie vie. Hein, hop. Alors il y en a, c'est des trompes, chez certains papillons c'est des trompes, d'autres ça peut être des dards. Ça dépend des insectes et donc volant ou non. Donc voilà, donc bien sûr il n'a pas de mâchoire, il a deux petits crochets sur la bouche
Et donc il a un dard aussi sur la tête. Alors ce n'est pas vraiment un dard, c'est un moyen de se repérer avec eh bien, le vent. Et oui, parce qu'il vit dans des zones venteuses, hein, j'ai marqué qu'il vivait dans des zones venteuses, donc ben, il y a beaucoup, il est obligé de savoir le sens du vent pour pouvoir s'aider à se déplacer. Donc vous pouvez le voir, il a quelques petites pattes sur l'avant pour pouvoir se poser, et donc voilà. Par contre, une autre particularité de celui-ci, il a des yeux un peu bizarres. On dirait qu'il a pas un quadrillage, mais on dirait que ses yeux, c'est une cible. Eh ben, c'est précisément pour ça. C'est parce qu'il est aussi, il s'attaque à d'autres insectes. Voilà, beaucoup plus les insectes rampants. Donc, quand il voit, eh bien, un de celui-ci, bah, il cible celui-ci avec ses yeux et hop, il lui tombe dessus. C'est pour pouvoir permettre que ses yeux bah, restent toujours accroché sur la voilà sur son sur cette proie et donc la récupérer. Voilà, c'est pour pas tomber à côté. Voilà, c'est à ça que j'avais noté ceci au sujet de ses yeux, de ses ailes aussi un peu bizarres qui en fait sont un quadrillage, un peu comme pour les papillons que nous avons dans la vie réelle, que ce sont des quadrillages pour un peu perturber les prédateurs aussi, hein, parce que oui, il est aussi prédateur mais il est aussi une proie, ça voilà pour certains autres animaux sur ce monde. Et donc là on peut voir pour le contexte eh ben, un nouveau personnage qui regarde toujours le personnage du milieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va avoir, et eh ben on le saura dans les prochains peut-être épisodes ou peut-être pas, ou peut-être à la fin pour savoir le contexte de cette fresque. Donc voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous avez aimé tout ça à faire ce qui apparaît maintenant à l'écran, un pouce levé, tout ça, hein, vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner aux divers réseaux sociaux, et oui, vous pouvez aider la Salut Tout le monde les gens en prod ou en savoir plus sur celle-ci et surtout sur ce qu'elle propose. Et bien sûr, si vous partagez tout ça, bah, ça fait une meilleure visibilité, des gens qui viendront s'intéresser à ce qui est proposé, viendront donner leurs avis, leurs critiques, poser des questions, voilà, tout ce que je dis d'habitude, et donc bah voilà, meilleure visibilité, bah, ça viendra à aider à l'amélioration de la chaîne. Par contre, je préfère prévenir, tout commentaire insultant, ils disparaissent. Les seuls commentaires négatifs qui sont les seuls à rester seront eh bien les critiques négatives pour dire bah, ce qui va pas, comme je l'ai dit, ça aide à l'amélioration, et ça, tout ce que vous faites bah, pour aider à l'amélioration, bah, vous serez remercié bien sûr. Comme je vous remercie de m'avoir suivi et vous donne rendez-vous eh bien, à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.